Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance, la quatrième, consacrée à la séquence 5 du programme d'histoire de la classe de quatrième, intitulée La Révolution française et l'Europe, le rendez-vous manqué entre 1792 et 1815. Après avoir planté le décor spatial et temporel de notre séquence la dernière fois et d'avoir aussi découvert la problématique de notre séquence à travers l'histoire des arts et à travers en particulier le célébrissime tableau du L13 des Mayos de Francisco Goya, nous allons aujourd'hui découvrir la première leçon consacrée à l'Europe sous la domination française, plus précisément entre 1805 et 1812. Et nous allons plus précisément nous demander comment se manifeste la domination exercée par la France sur les peuples européens au début du XIXe siècle. Juste un rappel pour commencer, puisque nous avons étudié la carte il y a de cela très peu de temps, donc j'espère qu'elle est toute fraîche dans votre mémoire. Entre 1805 et 1812, donc la quasi-totalité du continent européen est sous domination française, que ce soit à travers des États vassaux ou sous protectorat, comme le dit la carte là en vert pomme, ou que ce soit sous la forme d'États restés indépendants, potentiellement ennemis, mais qui sont contraints de jouer à l'hypocrite et de faire semblant d'être les alliés de Napoléon, sous peine d'être à leur tour broyés par l'étau napoléonien et de se retrouver occupés et placés sous régime de vassalité. Et donc c'est le cas par exemple pour l'Empire de Russie ou l'Empire d'Autriche. Et rares sont les Européens qui ont les moyens et qui osent, comme les Anglais et les Portugais, se heurter de front à l'emprise française et napoléonienne. Mais ce que ne montre pas véritablement la carte, c'est qui est à la tête des nombreux États qui peuplent le continent européen à l'époque. Et en particulier, quelle est la logique choisie par Napoléon? En fait, Napoléon reprend à son compte une vieille recette qu'il n'a pas inventée, qui avait déjà cours bien avant lui, et qui s'intitule le népotisme. Le népotisme, c'est un système politique dans lequel le dirigeant favorise les membres de sa famille en leur accordant, leur octroyant des pouvoirs et des postes très haut placés, bien sûr, alors qu'ils n'en ont pas nécessairement la compétence pour les remplir. Et le plus bel exemple que l'on puisse donner, c'est probablement celui de Joseph Bonaparte, que vous voyez en double sur cette diapo. Eh bien, tout simplement parce qu'il a été fait deux fois roi par son frère Napoléon Ier, puisque Joseph Bonaparte a commencé sa carrière de souverain comme roi de Naples et des deux Siciles de mars 1806 à juillet 1808, et alors que Joseph coulait des jours heureux dans son palais de Naples, il a appris du jour au lendemain, sans avoir été consulté, et ça, c'est bien dans la manière de son frère, eh bien, qu'il n'était plus roi de Naples, puisqu'il était nommé roi d'Espagne en remplacement de Ferdinand VII que Napoléon venait de destituer. Et donc, il avait, le même Napoléon, décidé de placer un homme de confiance et surtout
une marionnette à la place, et l'homme de confiance et la marionnette, eh bien, c'était Joseph. Et Joseph s'est donc retrouvé, sans l'avoir demandé, roi d'Espagne de juin 1808 à décembre 1813. Et comme l'évoque le tableau d'El 13 de Mayo, il a été chaudement accueilli par son peuple qui ne voulait naturellement pas de lui. Et pour remplacer Joseph Bonaparte à la tête du royaume de Naples, eh bien Napoléon a nommé son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur Caroline, Joachim Murat. Je pourrais donner d'autres exemples. Nous aurons l'occasion de parler de Jérôme, roi de Westphalie. Napoléon place à la tête des territoires qu'il domine, en particulier les États vassaux, les États sous protectorat français, il nomme des créatures qui lui doivent tout et qui font partie de son cercle le plus proche, le cercle familial. Et bien sûr, sans avoir demandé l'avis des peuples européens. Autre forme de domination que n'évoquait pas la carte tout à l'heure, c'est la domination brutale, autoritaire, arbitraire, imposée par la force militaire, par la force des armes. Alors évidemment, la caricature que vous avez sous les yeux est une caricature anglaise, qui évoque le pillage de Rome par Bonaparte. Alors bien entendu, comme les Anglais sont les plus farouches ennemis de Napoléon Ier, il ne faut pas s'attendre à ce que ce document mette en valeur de manière vraiment positive les Français en général, Napoléon Bonaparte en particulier. Mais il est vrai que les soldats français ont une solide réputation de brutes et de pillards, et que cette réputation, qui n'est pas imméritée, eh bien les soldats français vont l'entretenir dans toute l'Europe occupée par eux. Mais de toute manière, c'est logique, puisque dès les débuts, la Révolution française a considéré que les peuples européens devraient contribuer au financement des guerres révolutionnaires, devraient remplir les caisses de l'État français, et donc ça impliquait de toute manière un pillage systématique et organisé de ressources européennes. Et là, on voit donc les soldats de Napoléon qui se livrent à un pillage effréné. L'occasion était trop belle. Et donc, je ne l'ai pas manqué de vous faire faire un petit exercice. Ce sera l'exercice du jour qui consiste à analyser, à décrire, à interpréter l'image que vous avez sous les yeux. Donc, c'est pas compliqué. Il faut remettre dans chacune des cases qui apparaissent dans l'exercice le numéro de légende consacré. Voilà, je vous laisse réfléchir, observer, faire l'exercice, et je vous dis à tout à l'heure pour le corriger. Voilà le corrigé qui s'affiche à présent sous vos yeux. Donc, le fait qu'on soit à Rome est identifié à la coupole de Saint-Pierre de Rome, mais aussi au fait que l'on aperçoit à la fenêtre, au balcon plus exactement à droite, en haut à droite, le pape. On reconnaît aussi dans le ciel des vautours qui m'évoquent, alors j'ai peut-être tort, hein, ça n'a peut-être aucun rapport, mais qui m'évoquent moi les vautours de la légende de la fondation de Rome, ce qui serait aussi une manière d'identifier la ville. Et puis c'est vrai que quand on trouve dans une même image une statue de l'antiquité gréco-romaine à gauche, ou une statue représentant un maître de la Renaissance, un buste à droite comme celui de Michel-Ange, si je ne me trompe, et bien là encore, ça nous ramène à Rome.
Et les soldats français, eux, sont pas là pour faire du tourisme, hein, du tourisme culturel. Donc ils se livrent au pillage avec un butin qui s'entasse aux pieds de Bonaparte, hein, fait de vaisselle d'or, fait d'objets précieux. Vous pourrez admirer la trogne patibulaire des soldats français, que ce soit des simples soldats comme celui qui est en train d'enlacer la statue de gauche, ou que ce soit même la trogne de l'officier supérieur avec son sourire qui va d'une oreille à l'autre quand il contemple tout ce qu'il est en train d'entasser comme butin et qui vont faire sa fortune. Bonaparte, lui, reconnaissable à son célèbre bicorne, à sa manière inimitable de le porter, et aussi à son plumet tricolore, hein, plume d'autruche, qui associe cruellement la France au pillage, toute la France au pillage. Et Bonaparte est représenté comme plus petit que ses soldats, comme si c'était un enfant. Et l'effet est renforcé par le fait qu'il chausse des bottes beaucoup trop grandes qui lui donnent des airs de pêcheur à la ligne, de pêcheur de torrent avec des cuissards jusqu'au finalement au haut des cuisses. Et ça donne un aspect un peu ridicule au personnage. Et ce qui rend le personnage odieux en plus d'être ridicule, c'est le fait qu'il a le pied sur un crucifix en or. Alors, pas nécessairement pour le piétiner comme un ennemi du Christ, mais c'est surtout pour dire que, voilà, ce crucifix est à lui, et malheur à celui qui tentera de lui voler. Et bien entendu, ça ne donne pas une image positive de Napoléon Ier, enfin de Napoléon Bonaparte ou Napoléon Ier, peu importe l'époque, ni de ses soldats, ni de la France en général. Mais il est vrai que, d'une certaine manière, on retrouve là le fameux précepte du malheureux vaincu. La France révolutionnaire puis impériale s'impose aux Européens par la force et le tournant majeur dans l'histoire des relations entre la France et l'Europe est constitué par la célèbre bataille d'Austerlitz, qui a donné son nom à une gare parisienne, quelques avenues et boulevards dans toute la France, le 2 décembre 1805, c'est-à-dire le jour anniversaire du couronnement impérial de Napoléon Ier, hein, avec le tableau de Jacques-Louis David que nous avons étudié ensemble il y a de cela quelque temps. Hein, c'est le jour anniversaire, c'est donc considéré par les Bonaparte comme un jour porte-bonheur. Et là, pourtant, en Autriche, puisque Napoléon se trouve en Autriche avec son armée, eh bien Napoléon joue, si je puis dire, à l'extérieur, se retrouve en territoire ennemi et se retrouve à lutter contre à la fois l'armée autrichienne, bon, ça c'était attendu, mais également contre l'armée russe et ses redoutables stratèges que sont les généraux Kutuzov et Bagration. Et le fait est que si vous regardez la petite fiche Wikipédia, la diapo, on voit que Napoléon aligne moins de soldats, moins de canons que l'ennemi. Donc c'est mal parti pour Napoléon et l'armée française. Et pourtant, si l'on regarde aussi bien la légende de la carte, le canon en verre, ou si l'on regarde tout simplement le bilan des pertes de la fiche Wikipédia, eh ben on se rend compte que Austerlitz est une éclatante victoire française, puisque les Français ont perdu un peu moins de 10 000 hommes entre les blessés, les tués, les prisonniers, mais que les Russes et les Autrichiens en ont perdu beaucoup plus, ont abandonné
pratiquement la totalité de leurs canons sur le champ de bataille, et ça, c'est un signe qui ne trompe pas, surtout qu'on a encore aujourd'hui, les historiens ont un doute sur la réalité des pertes russes et autrichiennes qui pourraient être encore plus élevées que celles qui sont mentionnées. C'est une monumentale déculottée que les Russes, qui passaient pour la première armée du monde et que les Autrichiens ont subi à Austerlitz. La bataille d'Austerlitz est d'ailleurs encore aujourd'hui enseignée dans toutes les écoles de guerre parce que c'est un modèle du genre où comment profiter des conditions météorologiques pour écraser l'ennemi. Et Napoléon s'est servi de l'intense brouillard d'Austerlitz pour masquer sa cavalerie au regard de l'ennemi. Et la petite histoire veut que le soleil s'est mis à apparaître au moment exact où la victoire française ne faisait plus aucun doute. C'est pour cela qu'on associe toujours Austerlitz à son soleil, le fameux soleil d'Austerlitz, comme si le soleil venait lui aussi féliciter Napoléon pour son éclatante victoire. Alors même si le soleil est du côté de Napoléon, là, c'est désespérant pour l'ennemi. Et le fait est que les conséquences de la bataille d'Austerlitz sont véritablement énormes, à commencer par l'Autriche qui a à peu près tout perdu, puisqu'elle va perdre des territoires, elle va perdre 4 millions d'habitants, elle va perdre son port, son principal port de commerce, Venise, puisque la région de Venise, la Vénétie, est retirée à l'Autriche. Et elle perd aussi la plupart des territoires, l'Autriche qu'elle contrôlait dans les territoires allemands. Donc là, pour l'empereur d'Autriche, c'est une véritable catastrophe. Et du coup, d'ailleurs, Napoléon Ier va en profiter pour mettre fin au Saint-Empire, créé, je vous le rappelle, par Charlemagne, hein, le 24 décembre de l'an 800. Eh bien, le Saint-Empire, qui avait fêté son millénaire d'existence, eh bien, est rayé de la carte, puisque Napoléon Ier va décider de redessiner les contours de ce qui plus tard deviendra l'Allemagne, mais qui n'est pas encore l'Allemagne. Et c'est le territoire en jaune qui s'affiche sur la diapo, avec ces petits royaumes intégrés dont on n'a pas les frontières. En fait, il faut bien comprendre que cette confédération du Rhin, comme Napoléon l'appelle, c'est un véritable puzzle avec de très nombreuses pièces, dont le royaume de Westphalie au nord-ouest, dont on aura l'occasion de reparler bientôt. Et ces territoires qui étaient traditionnellement sous l'influence des Autrichiens, n'est plus sous influence autrichienne, puisque, encore une fois, le 6 août 1806, mais c'est la conséquence directe de la défaite autrichienne d'Austerlitz, c'en est fini du Saint-Empire et c'en est donc fini de la toute-puissance autrichienne. Mais il n'y a pas que les Autrichiens qui ont perdu très gros à Austerlitz. Il y a aussi les Anglais. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que les Anglais n'étaient pas sur le champ de bataille d'Austerlitz, tant mieux pour eux. Mais néanmoins, le Royaume-Uni et son roi George III et son premier ministre William Pitt, le personnage, le grand sec vêtu de rouge à gauche de la caricature, sont les âmes damnées de la coalition européenne contre la France. Les Anglais sont de la partie à chaque fois qu'un peuple, qu'un État européen se dresse contre la domination française, l'Anglais est toujours derrière. Et donc, quand les Autrichiens et les Russes sont écrasés
À Austerlitz, ce sont les propres alliés des Anglais qui sont écrasés et indirectement les Anglais eux-mêmes. Et comme on le voit sur cette caricature, l'appétit de Bonaparte, toujours représenté plus petit, hein, comme d'habitude, avec son plumet tricolore sur son bicorne, eh bien le vorace, le glouton Bonaparte, qui prend même pas la peine de s'asseoir vraiment à la table du banquet, se paye une énorme tranche de domination mondiale. Si vous regardez attentivement, la tranche que Napoléon est en train de se découper, c'est tout simplement le continent européen. Et oui, jusqu'à maintenant et depuis la guerre de 7 ans, que nous avons étudiée rapidement en tout début d'année, depuis la victoire anglaise de la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763, le monde entier était sous domination anglaise, plus ou moins nette, et surtout l'Europe. Donc, 1805, Austerlitz voit le glissement d'une domination anglaise de l'Europe à une domination française de l'Europe. Autrement dit, le continent européen a toujours été, et ça depuis l'Antiquité, depuis l'Empire romain, a toujours été sous une domination quelconque. Elle a pu être autrichienne, avec le Saint-Empire, etc. Depuis Austerlitz, elle est clairement française. Autre victime collatérale, un an plus tard, la Prusse qui s'était si brillamment illustrée pendant la guerre de 7 ans avec sa formidable armée, eh bien la Prusse elle-même va être écrasée par Napoléon l'année suivante, en 1806. Et là encore, c'est un rude coup. Ben, aussi bien pour les Prussiens, naturellement, qui se retrouvent temporairement envahis, que pour les Anglais qui avaient aussi misé sur les Prussiens pour abattre l'influence française en Europe. Et on prête à William Pitt ce propos désabusé après Austerlitz. Quand il appelle son domestique, son majordome, et qu'il lui demande de décrocher la carte de l'Europe sous domination anglaise qu'il avait accrochée en face de lui, et qu'il demande à son majordome de la décrocher en disant rangez-la, elle ne servira plus pendant les 10 prochaines années. Autrement dit, les Anglais ont compris qu'après Austerlitz, Napoléon serait au pouvoir en Europe pour au moins 10 ans. Seulement, le triomphe de Napoléon n'est pas complet. Parce qu'il reste, certes, relégué, dans son archipel, certes, mis à l'écart, on pourrait presque dire, puni au coin, mais il reste malgré tout la menace britannique, qui est une menace à prendre au sérieux, déjà de par sa flotte, de guerre, la Royal Navy, qui fait la police sur les mers, mais aussi de par l'influence britannique, puisqu'encore une fois, les Britanniques et leurs agents, leurs espions, sont partout où ils le peuvent pour remettre en cause l'influence française sur l'Europe. Donc il conviendrait d'abattre une bonne fois pour toutes la menace britannique, comme Napoléon a pu écraser la menace russe, la menace autrichienne, la menace prussienne. Le problème, c'est que Napoléon ne peut pas franchir la Manche parce que la flotte de guerre française est très inférieure à la Royal Navy et que quand on n'a pas le contrôle de la Manche, quand on n'a pas le contrôle des mers, on ne peut pas envisager d'envahir le Royaume-Uni. Donc, Napoléon ne pouvant pas encercler ni envahir l'archipel, eh bien, pour abattre son ennemi, il ne lui reste plus, et c'est logique, qu'une seule solution,
c'est empêcher les Anglais de venir faire du commerce ou de débarquer des troupes sur le continent européen. De là, cette idée de blocus continental qui va s'imposer à Napoléon Ier. Napoléon est à Berlin lorsqu'il va signer en novembre 1806 le décret suivant, dont je vous donne lecture. Article 1er, les îles britanniques sont déclarées en état de blocus. Autrement dit, plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Article 2, tout commerce et toute correspondance avec les îles britanniques sont interdits. Alors par correspondance, ça veut tout dire, hein. Ça peut être aussi bien les lettres, hein, au sens correspondance au sens premier, mais aussi les navires. Plus rien ne passe, c'est un blocus complet, total. Article 3. Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelque état ou condition qu'il soit, qu'il soit écossais, irlandais, anglais, ou qu'il soit noble, qu'il soit paysan, qu'il soit prêtre, enfin pasteur, peu importe, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre. Et puis, ce que ne précise pas le décret, mais ce que tout le monde aura compris, c'est que si en plus on l'accuse de se livrer à des activités d'espionnage, alors là, ça ne sera pas la prison, ça sera le peloton d'exécution. Articles 4 à 7, je les ai résumés. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété de quelque nature qu'elle puisse être, tout navire appartenant à un sujet de l'Angleterre, un commerce anglais quoi, ou provenant de ses fabriques ou de ses colonies, sera déclaré de bonne prise. C'est-à-dire que si un corsaire s'empare d'un navire anglais, eh bien Napoléon lui abandonnera au moins la moitié du contenu de la cale. Le corsaire n'est pas un pirate, hein. Le corsaire possède des lettres de créance signées de la main d'un État, ben, en l'occurrence l'Empire français. Donc il agit pour le compte de cet État, ce qui permet au corsaire, s'il est fait prisonnier par les Anglais, d'avoir la vie sauve, alors que s'il était considéré comme un pirate agissant pour son propre compte, le pirate, lui, serait pendu. Et on voit sur la gravure que j'ai mise sur la diapo des soldats français qui procèdent à la destruction de draps anglais qui sont très très à la mode, hein, qui sont très prisés, de très grande qualité, en provenance des manufactures d'industrie textile anglaise et qui sont brûlés un peu partout en Europe. Et l'on voit sur cette caricature que le blocus continental n'est clairement pas une bonne nouvelle pour le roi d'Angleterre George III, qui en tombe littéralement à la renverse et qui s'accroche désespérément à sa couronne, mais aussi à son premier ministre William Pitt. Et on voit les mines défaites des députés anglais qui se demandent bien comment survivre à ce coup du sort, parce qu'en fait, c'est clair, hein, le blocus continental a pour but d'asphyxier l'économie anglaise, d'étrangler l'économie anglaise, de ruiner les Anglais, afin de les pousser à négocier la paix avec Napoléon. Autrement dit, Napoléon veut remplacer une victoire militaire qui lui est inaccessible par une victoire commerciale et économique qui aura le même effet. Seulement, et ça va être lourd de conséquences pour l'avenir, ce que Napoléon ne comprend pas, c'est qu'en imposant le blocus continental aux Européens, eh bien,
il va se mettre les Européens à dos. Parce que Napoléon a beau dire dans son article 10 que les Européens sont victimes, comme les Français, de l'injustice et de la barbarie anglaise, mais en fait, ça n'est pas vrai. Les Hollandais en particulier, les Belges et Hollandais en particulier, avaient des liens commerciaux très étroits avec l'Angleterre, hein, autour du commerce du drap. Et quand vous obligez des commerçants, dont c'est le gagne-pain, quand vous les obligez à renoncer au drap anglais, ou que pire, que vous les obligez à brûler sans autre forme de dédommagement les marchandises qu'ils ont achetées aux Anglais, que vous les obligez à les brûler en place publique, que vous multipliez les contrôles, comme le montre cette gravure où l'on voit des soldats français en train de chercher des marchandises de contrebande anglaise, quand vous gênez le commerce des Européens, ben les Européens, ils vous disent pas merci, et au contraire, ils nourrissent contre vous du ressentiment. Et ça, Napoléon a probablement sous-estimé la colère qu'il allait attiser chez les Européens avec cette mesure qui va être extrêmement impopulaire, celle du blocus continental. Parce qu'encore une fois, les Européens, on ne leur demande pas leur avis. D'ailleurs, Napoléon, hein, il expédie le sujet en une phrase: communication du présent décret sera donnée au roi d'Espagne, de Naples, de Hollande, d'Étrurie, enfin l'Étrurie c'est la Toscane, la région de Florence, etc. C'est-à-dire que Napoléon impose sa décision à ses marionnettes, hein, ses frères, ses beaux-frères, hein, dont on parlait tout à l'heure. Il n'a pas demandé son avis à Joseph, mais il n'a pas non plus demandé son avis au peuple, sous l'autorité, pardon, de Joseph. Et ça se retournera contre les Français, mais nous le verrons lors d'une prochaine séance. Voilà, nous en avons pratiquement terminé avec la séance du jour. Donc, deux repères clés à connaître. Celui du 2 décembre 1805, avec l'écrasante victoire de Napoléon Ier à Austerlitz, en Autriche, contre les Russes et les Autrichiens. Et puis, en novembre 1806, le décret de Napoléon Ier imposant le blocus continental contre le Royaume-Uni. Voilà, il ne vous reste plus qu'à découvrir le texte de la première leçon que je vous ai distribué en classe et que je vais vous demander de bien vouloir apprendre, et qui reprend tout, absolument tout, ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui. Bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures européennes et napoléoniennes.